Tous les films d'après, donc tu vois, c'est moi qui les fais. Allez-y. Ça, c'est mon travail. Aujourd'hui, moralement, ça dit, c'est ma première fille qui est partie. C'est dommage que cela arrive parce que les gens ils construisent des maisons sans toutefois mettre conséquemment les moyens qu'il faut. Et il faut que l'État véritablement veille sur ça. Et on ne dit pas que c'est la faute à l'État, mais je pense que ces gars qui construisent là, il faut qu'ils mettent du sérieux. Et déjà, cette dame, les gens avaient prévenu que sa maison, il y avait, ça présageait certaines défaillances. Mais bon, malheureusement, voilà ce que ça produit comme résultat aujourd'hui. Moi, j'étais avec ma première fille au bureau. Bon, le temps de lui dire, rentre avec ta petite soeur. Et je vais vous rejoindre le soir. Moi-même étant malade depuis quelques semaines, je me suis étendu étant fatigué, le temps de me réveiller. Hein, on me dit, ah tiens, la maison est en train de s'écouler. J'arrive maintenant qui est au troisième, c'est retour comme le premier étage. Ça a été... C'était un choc. J'espérais toujours que ma fille, j'allais la retrouver. Parce qu'elle a 14 ans, elle est dans une classe d'examen. Bon, malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Voilà, nous confions toujours à Dieu parce que tant de croyants, elle est auprès du Père. Et au-delà, vous savez, on est des humains. Donc on sent toujours la douleur. Sinon, Aimon William, président de la Fondation des artistes africains, président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Avant le fondement de l'immeuble, est-ce que vous avez eu déjà des signes, des manifestations ou des fissures qui préparaient? Oui, effectivement, on nous a dit. Mais moi-même, j'avais constaté quelques fissures. Légèrement à la rentrée, mais j'ai vu des jeunes gens qui défilaient en train de faire des travaux, mais ce n'était pas trop des professionnels, ça il faut le dire. Mais comme j'ai l'habitude de rentrer un peu tard, et ce qui est arrivé à ma fille, c'est-à-dire le divan dans lequel je me couche quand je suis fatigué, c'est dans ce divan-là, elle est couchée, et puis bon, croyant que j'allais venir, malheureusement, son père n'est pas venu. Elle a 14 ans, elle est en troisième classe d'examen. Vous vous trouvez présentement à la mairie de Cocody. Oui. Vous avez été pris en charge par la mairie de Cocody. Oui. En tout cas, je remercie la mairie pour cet acte de salut et de solidarité envers les habitants de cette commune. Merci au maire. Merci. Merci. Voilà. Et votre deuxième fille? Oui, la deuxième fille, c'est tout aussi. Son état de santé? Oui, Dieu voulant ça. Merci. Merci. Je vais dire à l'informaticien ou C'est une victime. C'est sa maman qui est là. C'est le bébé miraculeux. Elle a quel âge? Le bébé a 3 mois. Thank you.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien vu. On était couché, on dormait. C'est pas ce qui s'est passé. Je me suis vu. Il me suis vu que non. On était coincé tout. J'ai entendu mon mari. Eh Dieu, où sont mes enfants? Où sont ma femme? Il a dit, on est là. Il dit, voici ma main. Il a senti sa main sur moi. Il a attrapé sa mère, il est là. C'est moi qui suis là. Sa mère est sortie dehors. C'est sa mère. Les gens ont vu. Il a commencé à crier. Au secours. On est là. C'est là qu'ils ont vu sa mère. Ils ont vu, il a sauvé sa mère. Tout le monde était en bas. Le fauteuil était lui, il était touché sur le fauteuil. Nous étions en bas du fauteuil, à côté. On était là. Les quatre. Avec le bébé, on était couché en bas du fond. Il a fait un peu, il a fait ceci. Votre mari, vous habitiez la maison depuis combien de temps? Vous habitiez l'immeuble depuis combien de temps? On n'a pas encore un an. Même 6 mois, on n'a pas encore. On a 6 mois. Avant la maison, on était en baraque. Mais les mairies là, ils sont venus au pratique pour casser le baraque là. Ils ont dit, ah non, il y a un problème de baraque, on n'a pas allé chercher nous à Andy. Et maintenant, on est venu pour rester là. Vous avez des voisins qui ont disparu. On a un frère. Lui, il était juste en bas de nous. Juste en bas, nous on est le premier, c'est lui qui est en bas. Lui et ses deux enfants, sa femme. Ils sont morts. Ils sont morts. Une bonne, elle est la seule de sa femme. 6 personnes dans la même maison. Non, il me suis dit en tout cas. Aziz quoi?
Thank you.